L'ONG Sillon de Paix et de Cohésion se propose d'accompagner le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale dans la promotion d'un climat de paix et de cohésion nationale en Côte d'Ivoire. Le président national de l'ONG Sillon de Paix et de Cohésion, Zokou Priva, était face à la presse, le jeudi 28 avril 2022, à Yaou, dans la sous-préfecture de Bonoua pour dire son intention de rentrer en contact avec le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kwadio Konan-Bertin Dikakabe, afin d'accompagner les actions de son département ministériel sur le terrain. Nous sommes un mouvement qui a décidé de soutenir le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, dans tous ses pas. Nous savons que ce ministère a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire et qu'il a besoin de soutien. Ce soutien, c'est nous les ONG qui venons l'aider et l'accompagner dans sa vision de paix, a-t-il souligné. Il prévoit entrer en contact avec le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Il prévoit entrer en contact le ministère que dirige Kakabe. Nous allons entrer en contact avec ce ministère pour travailler à la paix. Nous allons sillonner les 212 villes et 8475 villages de Côte d'Ivoire, pour apporter le message de paix qui sauve, a fait savoir Zokou Priva. Créé en 2015, Sillon de Paix et de Cohésion se veut, selon son premier responsable, une ONG évoluant dans la société civile. Selon lui, elle est le fruit des leçons tirées de la crise militaro-politique de 2002 à 2011. Nous avons décidé de mettre en place cette structure afin de sensibiliser les jeunes de Côte d'Ivoire à la réconciliation et au pardon. D'où notre slogan qui est « Trouvons toujours une raison pour pardonner à autrui », a-t-il fait savoir. Les mêmes éléments qui ont contribué à la déchirure du tissu national, se remettent en place, Zokou Priva a insisté pour dire que son ONG est un mouvement fédérateur, qui a décidé d'aller au-delà des clivages politiques et religieux. Et que dans son travail de terrain, il n'a pas vocation d'implanter des bases à travers le pays, mais plutôt aller vers les structures de base des partis politiques et associations, pour passer son message. Lire aussi le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kwadio Konan-Bertin, a reçu, ce mercredi 27 avril 2022, plusieurs leaders de partis politiques prêts à l'accompagner dans sa mission. Car, à l'en croire, les vieux démons tentent de se réveiller. Nous avons vécu une crise de 2002 à 2011. Nous nous rendons compte que les mêmes éléments qui ont contribué à la déchirure du tissu national, se remettent en place. On entend aujourd'hui des discours et on voit des prises de position sur le terrain. En tant que jeunes de Côte d'Ivoire, nous avons décidé d'élever la voix et sensibiliser la population qui est la première victime des crises, a-t-il alerté. Le football étant, selon lui, un facteur de rassemblement, il prévoit aussi approcher le ministère des Sports et le comité d'organisation de la CAN 2023, COCAN 2023, pour des tournées de paix et de cohésion, dans le cadre des préparatifs de la compétition prévue du 23 juin au 23 juillet 2023 en Côte d'Ivoire. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.